Eh bien salut, c'est Régis, on se retrouve pour l'épisode 6 de Tale of Symphonia, Dawn of the New World. Bon déjà ça commence bien avec Entêté. So Emil, would you consider yourself stubborn? Okay, that was random. No, not really. You have to admit though, you've had that same weapon equipped for a pretty long time. There's plenty of other weapons. Why not try something different for a change? I guess I like the feel of a weapon I've gotten used to. It's easier to fight with. It's not stubbornness, it's dedication. What if you had a favorite pair of shoes you wore every day? And I said, why not try a different pair and spice up your wardrobe? Yeah, but why stop wearing whatever shoes that make you feel comfortable? Yep, you're stubborn, all right. What's so wrong with being a little stubborn? Nothing. I was just thinking it'll be tough once we're married, that's all. Oh là là, allez, bande de troubles, on va aller au donjon au lieu de parler. Oh, fidèle, oh non, c'est bon, hop, se téléporter. On y va, allez. Deuxième, enfin c'est le premier donjon. J'allais dire deuxième, parce que celui-là on avait vu Lloyd, on pouvait considérer ça comme un donjon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez taper une dispute maintenant? Voici la présence d'un noyau de centurion, je crois que c'est le sujet du centurion Vontus. Great! If you consent, Lloyd. Pas grande de l'histoire. What do you mean? Okay. Bon, ils vont raconter, voilà. So Lloyd is Colette, Lloyd was your no. And now you're saying that Lloyd attacked you both and ordered the Church of I can't believe. Je passe un petit peu hein, parce que yes, I know. On va avoir pour un bon bout de temps quand même à faire ce temple. Right now, we are here to stop the... and get Ventus's la musique qui change carrément d'accord. Colette. Allez. Colette, you really? Well, both. You don't. Why would I? Je suis votre ami parce que je vous aime bien tous les deux. Oui. Allez, on va passer. Vous n'avez pas. Truc super important. Alors, 1, 3, 2, 4. Il va falloir retenir Tenebi, deuxième partie. On va pas le mettre. 1, 3. 2, 4. Suivez-lui. Suivez-lui. Ah! Mais lâche-moi! T'as fait moi qui gueule comme un taré. On va avancer par là-haut. Ah, tiens. Sans y a rien d'autre. C'est quoi ce truc? Ça, c'est quoi? Examinez. Je me demande est-ce que c'est cette chose qui tourne. On dirait une sorte de commande pour la sorcière. Je crois que ça a modifié la fonction de la sorcière, il faut l'examiner. Ah. Examine. La fonction de l'anneau de sorcier est désormais l'élément R. Ah. Et avec cet élément, on va pouvoir dégager ces morceaux de rocher. C'est pas super logique, mais... Alors, on avait dit... 1. 3. 2. Et 4. Qui nous ouvre le passage pour pouvoir continuer. Ici une petite unité de sauvegarde. Et ça c'est quoi? C'est un téléporteur. Tenebi, deuxième partie, allez on va le mettre. Do you really hate being called doggy that much? Hate might be too strong a word. I simply feel it gives the wrong impression. And Tenebi's no good either. Well, how about Tenby? What about Tenny? Or maybe Trey? I vote for Bray Bray. That's cute. Yeah, I like it. In that case, let's just stick with Tenebi. Voilà, juste pour dire qu'on va rester à Tenebi. Tenebi. Alors franchement, Tenebrae, c'est beaucoup plus classe. Entre les deux portes, choisissez la vérité et avancez. La vérité est toujours lointaine et périlleuse. Lointaine et périlleuse. Objet d'affection, what? Mais lui va m'agresser. Oh non, c'est bon. C'est cool. Alors, la vérité est toujours lointaine et périlleuse.
Quand j'en ai un mot, je vais me rappeler le mausolée de Barlac. Ces ruines ressemblent. Non, ma tâche amie, votre curiosité, je crois que nous devrions rester à notre tâche actuelle. Oui, il est assez boulot. Oui, dire que vous me trouvez pesant. Ne t'en fais pas, Tenebi, tu as une taille de guêpe. Ok, il n'y a aucun rapport, mais c'est pas grave. Là, ça retourne arrière. Mausolée de Balakruf. If memory serves, it should be on an island to the northeast of this town. But isn't it strange how two places so far apart would be so similar? When the worlds of Tethaala and Silveront were divided, the mausoleum was located just outside of Asgard. Actually, even before the world was split in two, a large kingdom existed where we now stand. The similarities in style between the two locations demonstrate just how vast that ancient kingdom truly was. So this place might be connected to the Balakroff Mausoleum somehow. It is certainly possible. Alors, vérité toujours lointaine et périlleuse, donc c'est-à-dire que je dois aller à la porte la plus éloignée. Pesant. Allez, chargement. Fight! On se parle le petit lézard. Plus! Allez, on vole! Wow. Oh, c'était quoi cette mitraillette? Aïe. Sors ton stade. C'est mort. Et toi aussi. Niveau de topo 12. Topo prochain. Oh! Ça y est, nous avons un monstre qui va pouvoir se transformer. Je crois que plus loin, on va pouvoir le faire. Donc pour le moment, on va continuer d'avancer. Ce petit coffre, un charme de poison. Normalement, je les ai tous bien équipés. Alors, vérité toujours le plus élevé. Qu'est-ce que tu fais, toi? Encore un coffre. De la sauge. Ah, sauge. C'est pas un truc qui augmente l'XP. Non, augmente les PV max. Bah, pour Martha. Il a pas beaucoup de PV. Dégage, toi. Ok, c'est pas ici. Donc on va à lui. Oh, c'est quoi cette blade là? On s'attaque à lui. Viens ici, chopper. Hop là. Waouh. Dégâts critiques, 60. Il rigole pas celui-là. Premier mouvement de terre. Oh, petit Martha qui s'y met. Toi, t'as pris cher. Parfait. Mes monstres augmentent de beaucoup de niveau quand même avec ce vieux monstre. Toujours le plus éloigné, le plus périlleux. Il y a quoi ici? Rien du tout. Si, un petit coffre encore. Hein? C'est quoi ça? Ça doit être un truc à cuisiner, un truc du genre. Ça doit pas être toi que je dois faire, ça doit être à l'autre bout. Et ici, rien du tout. Allez, à toi de jouer. I guess you wanna die. Die, on va se préoccuper de celui-là. C'est le plus costaud. Et c'est Emile qui met le plus de dégâts. Allez, crève. Premier mouvement, terre. Oh, oh, oh. Peut-être parce qu'il résiste, il est peut-être de l'élémentaire aussi sûrement. Il va avoir des trucs du genre. Et tu crèves. Les manuscrits que je drop, en fait, ça sert à XP mes monstres, mais je préfère les garder. Parce que quand on les transforme, quand on les fait évoluer, entre guillemets, ils retournent au niveau 1. C'est quoi ça? Il y a un trou pour un gris. Hein? Oula! Ça, c'est quoi ce truc? Si toi tu le sais, bah dis-le moi en commentaire, ça serait super de ta part, parce que j'en sais rien du tout. Am I really that much of a stick in the mud? I can't believe he's still thinking about that. I honestly don't see any mud on you. But what's wrong with mud anyway?
everyone gets a little dirty now and again. I don't think he meant that sort of mud. Well then, what sort of mud did he mean? No, listen. There was never any mud to begin with. Oh, so it was more of a muck. Or maybe a slime? So now I'm slimy. I have to say, I prefer mud to slime myself. It's easier to clean. Well, it would depend on where the slime came from. Yeah, but think about your fur. Slime would stick to it, while mud would just wash off no problem. Someone, anyone, please, make it stop! Oui, merci. Merci, Martha. On va peut-être soigner... Attends. Sans les artés. Tu vas nous soigner un petit peu parce que là, on a pris un peu cher. Voilà, parfait. Muy bien, let's go. Waouh, ça rigole pas. Allez Martha, soigne. Il y a mon look en train de prendre cher. Allez vas-y, on va profiter. Parce que là c'est du costaud. C'est pas des dégâts si importants que ça, mais bon, c'est déjà ça. Vas-y Martha, soigne. First day. Wow. Aïe, 131. Wow, eh. Calme-toi. Casse-toi. Aïe. Voilà. Et demain. Deuxième. Parfait. Là, tu gères. Tu gères, ma poule. Toi, tu vas te prendre un premier mouvement de terre. Oh, c'était pas mal. J'espère un truc pour me soigner beaucoup plus tard, parce que là, j'en ai encore besoin. Allez, un petit coup dans la gueule, c'est gratuit. Crème, espèce de chimère. D'ailleurs, la chimère, je trouve que c'est un assez bon monstre, on peut l'avoir, hein, bien sûr. Il est pas mal en son genre. Aïe. Voilà, fini. Waouh. Et on n'a même pas monté d'un niveau. C'était du costaud quand même. Hein. Encore des couloirs. Putain. Non mais dégage-toi. Oh. Son chiant. Heavy strike. Et demain. Il est en train de prendre cher, le golem est en train de prendre cher. Yeah. Niveau de cerise, niveau 12. Oh, cerise. Cerise de gros pama. Examiner. Premier indice, envoyer une flèche au sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest. Fidèle. Hey Marta, you've been using the same equipment for a while now. You really like it that much? I'm more loyal than you might think. To my equipment, and to you too. Huh? When did this become about me? Ah, magnifique. Je comprends toujours pas par contre. Sud-sud-ouest. Oui! Ils continuent à venir, ce qui signifie que nous devons continuer à nous battre. Emile, je compte sur toi. Je vais faire de mon mieux. Les monstres ne manquent pas ici. Tu crois que c'est à cause du noyau de Ventus? D'accord. Le noyau attire les monstres. Exactly. Le courage et la magie qui transforment les rêves en réalité. Yeah. C'est bon ça. Ça sonne bien. C'est même pas toi qui l'as inventé. Tu veux que j'ajoute... Allez, tu es un homme, parle. Hey, ne sois pas stupide. You are the man, speak up. Sud-sud-ouest. Il y a une commande. C'est bien, mais... Ah, peut-être que je mette la flèche là-dedans. Ouais, voilà. Allez, tu es un homme. Behind. Come on, you're a man, speak up.
Well, I'm not very manly to begin with. So when I hesitate or have trouble making up my mind, it's something Marta says to encourage me. Emil, you're not supposed to tell other people about that. But it's true. That's enough! What did I say? Never mind. Just try and be more like I imagine you to be, okay? Sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest. Will-will-west. Oh, il va y avoir un petit jeu avec les petites boules. Les petites boules. Il faut apparaître des plateformes. Non, c'est bon. Free omniprésent. Oh, oh, oh. Il veut lui. Dégage. Dégage, dégage, dégage. Nicolo. Ok. Envoyez une flèche au nord-nord-est. Nord-nord-est. C'est bien. Tu me touches pas. Il y a un coffre là-haut. Non, c'est pas ça. Ici. Alors, nord, nord, est. Ding. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Flèche. Est sud-est. Oh mon dieu, c'est quoi ces trucs d'énigmes de merde? Est sud-est. Ah! Par contre, ça m'intrigue, il y a un coffre là-haut. Est sud-est. Alors attends, il doit y avoir des trucs quelque part. Pour chercher fortune. Ouest, sud-ouest. C'est est, sud-est. Ouest, sud-ouest. Oh là là. Ouest, sud-ouest. Non. Est, sud-est. Fortune, normalement, ça devrait être le coffre. Parfait. Et est, sud-est. Il n'y a pas des autres zones par hasard? On va déjà prendre ça. Opal. Quoi, ça? C'est un équipement. C'est une mille. Opal. Marque de soin. Bien difficile à utiliser avec son éditeur. Oula, je sais pas quoi ça sert, je vais pas le prendre. Est sud-est. Bon, fruit omniprésent, puisqu'il veut vraiment que j'appuie. Allez, go! Ok, it's finally ready. Wow, it's so cute! I thought I'd make a fruit cake. There's also a fruit salad, some fruit juice, and... Do you have anything with a little more... substance? Oh, sorry. What would you like? I don't know, maybe a steak or something? Okay, leave it to me. One apple steak coming right up. On second thought, this would be fine. Est, sud-est. Voilà, donc on va pouvoir poursuivre notre chemin. J'ai vu que voilà, il y avait le truc là, le petit gnan là, le petit gamin, pour pouvoir transformer mon monstre. Donc je vais le faire. Ah, une petite sauvegarde, c'est parfait ça. Il y a rien pour jouer NDPV par contre. Cuisine. Alors ce qu'il pouvait. Oh, c'est le lapin. Alors il va se transformer en quoi? Le lapin blanc. Oh, ouais, super. C'est super ça. Tu peux me soigner toi? Rien du tout. Mais c'est quoi ces rapia? Ah vas-y, je suis soigné. Oula, oh, c'est peut-être ça qui... Non, non, c'est pas ça qui me soigne. Enfin bref, je vais pas chercher à comprendre. Je ne sais pas du tout. La flamme au pied est un passage... Du temps, passage du temps, écoulement de l'air, l'arrêt de l'air, ferme la dernière porte. Ah oui! Un petit jeu avec les bourrasques. Donc on peut y aller tout droit, mais nous on va passer par les côtés. Ici il y a quoi? Eh, je peux rien faire dessus! C'est quoi ces conneries? Normalement ça sert à. Oh! Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non.
la fuite. Allez, allez, allez. Ah, moi, je te bats en attendant. Voilà. Est-ce que je peux passer maintenant? Sans qu'il m'agresse? Cool. On s'en fiche depuis. Alors, on va s'amuser avec les petites bourrasques. Bien regarder où ils apparaissent. Yeah. Ok, c'est cool. Oh, Ventus. What's that? Qu'est-ce que c'est que ça? It's Ventus's core. C'est le noyau de Ventus. Ça va être notre premier noyau. Ouh là là là, c'est quoi lui? That's the fake self. C'est le faux self. Vous n'avez pas battu la dernière fois? Non, c'est Ventus. What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, ce n'est pas le faux self. La forme est différente, mais l'aura est bien celle de Ventus. On va devoir l'attaquer. We'll have to retrieve it by force. Et oui, pas le choix. Again? Sometimes I wish Ratatas... C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu vas nous donner, petit boss? Par contre, j'étais perroquet, moi. Ça évitera... Oh, elles ont des PV en plus! C'est quand c'est fait mal qu'on est plus... Oh, mon monstre, c'est la plus chère. Aïe! Prends cher, là. Attends, eh. Toi déjà, tu vas prendre ça. Putain, le perroquet qu'on est... Enfin, c'est équipement. Ils ont pas mal de PV. Objet, hop. PV, le loup. Putain, j'ai pas le temps. Alors, fiole vitale, du coup. Martha, non! Revis, Martha. Ok. Ouah, c'est chaud, là. Martha. Y'a pas de quoi, y'a pas de quoi. On continue. Sur moi-même, tiens. Et sur Martha. Non, toi, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes tout de suite. Oh, j'y fais pas mal. Je sens rien, moi. Ouais. Faut niquer tous ces vieux toucans, comme ça on va tous attaquer au boss. Ouah. Prends cher. Fasse gaffe à son vent. Toi. Ah, tu commences à pouvoir avoir beaucoup de magie, Martha. T'as plus le choix. Yes. Allez. Ça, c'est de la mitraillette. Tiens, Martha, tu revis, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Gelée de pommes. C'est bon. Yeah. Dégage-toi. Encore, on soigne. On soigne encore Martha. Ah, moi qui aime le challenge, là j'en ai. Hein. J'y veux lui. Il t'arrête. Non, tu t'arrêtes. Là, j'ai pas le choix de l'arrêter à faire ces trucs là. Mais il prend rien, les gars, il prend rien. Attention. Attention. Tiens. Oh. Comment ça se fait que je revis au fait? Putain. Il est costaud, hein. On le tient. C'est bon, faut en profiter. Je le tiens, il est plus en garde. Yes. Allez, continue à taper. On va changer de personnage, objet, fiole vitale. Yes! Oh!
Oh my god! J'ai failli mourir là. J'ai le temps de faire revivre Emile. Attends, ma petite Martha, je vais te soigner. Oh, tu vas avoir besoin de magie. Non, tu te casses. Tu fermes ta gueule. Oh, le combat, il est chaud. Vas-y, donne-moi. Oh, your healing power. De la magie. Martha, t'es en train de prendre cher. Soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi. Faut l'arrêter. Ah mais faut que ça arrête ce monstre. Hein. Faut que ça arrête. Viens ici. Allez, prends-toi ça. Bon, il va rien prendre, il est encore en garde. Oh oh oh. C'est du costaud. Oh, you healing power. Dégage. Reste loin maintenant. Oh, oh, oh. Yes. Arrête d'attaquer Martha. Ouais, viens, viens, viens ici. Rien à foutre le monstre. Il a beau l'attaquer. Yes. Bon, je vais t'arrêter. Niquer sa défense. Allez. On y est presque. Allez le monstre. Yeah. Oh my god. Oh c'était chaud. Oh tu parles, c'est sûr que j'expérimente beaucoup hein. Barrière. Oh la vache. Ça c'est du bon combat ça. Ça veut dire aussi agis va XP tes personnages et tes monstres parce que là je prends trop cher. Toi d'ailleurs que j'avais acheté pas mal de gelée, hein. Heureusement que j'en ai acheté. Parfait, nous allons avoir notre premier centurion, Ventus. Quoi? Nani? During that time, their power is out of their control. They can. It's impossible for human beings to maintain. What? If a normal person normal prend en main un centurion, elle est plongée dans le chaos, son esprit détruit. Pourquoi il vaut mieux ne pas songer à le toucher? Je vois, j'aurais dû poser la question avant. Mais et toi, Martha? Moi, je peux, t'inquiète pas. Je suis protégée par Ratatosk, je ne risque rien. Très bien, demain, tu as libéré le noyau de centurion. Right. Ventus. Emile a pris la capacité Ventus. Maintenant, je maîtrise le vent. As Ventus's powers return, as a knight of Ratatosk. Don't we have to befriend some monsters to get the centurion? Et à chaque fois que je récupère des centurions, en fait, Emile va gagner un nouveau pouvoir. Ça, c'est bien par contre pour notre jauge d'éléments quand on est en combat. Par exemple, avec Ventus, si j'utilise tout le temps la capacité de Ventus, et ben, j'aurai tout le temps un élément bas devant. Je crois qu'il y a encore un truc ici. Mais je vois pas ce qu'on va accueillir, à part ma... Non, rien. Rien du tout, je n'ai rien dit. On se casser d'ici maintenant. Quand ça m'intrigue. Il y avait un truc. Oh! Ok. Oh, un coffre. Prends de l'encre. C'est des trucs à synthétiser. Non mais dégage-toi! Enfoiré! Oh, je vais vous tuer. Mais pas pour longtemps. Ouh, tu as pas mal de PV toi, mais tu vas crever.
D'ailleurs, j'ai parlé de la capacité de Ventus, là. La nouvelle capacité, il va falloir que je la mette. Alors, Arte... Je sais pas si c'est dans les Arte. C'est une capacité alors. Ventus. La basique ruée phénix se transforme en un autre. La ruée phénix des mille. La ruée phénix des mille. Donc c'est lequel? Je l'ai pas encore. C'est bête ça. Bah voilà, là ça fonctionne. Alors j'ai pas compris pourquoi tout à l'heure ça fonctionnait pas. Hein. Y'a pas un coffre là-haut? Non, non, non. C'était où? C'était... C'est quelque part ici. Ouais, bon. Ah, un téléporteur. J'avais bien raison, c'était un téléporteur. Bon. Maintenant, on peut bouger de ce donjon. Waouh. Trop pris cher, quand même. Dégage-toi. Trop marrant. Ah, enfin, on sort d'ici. Se téléporter. On a réussi, on dirait que les gardiens sont partis. C'est vrai, on va mettre fort, on pourra. Beau travail, Martha. Nos efforts ont fini par payer. Colette? Colette, ça va? Vous avez l'air battu. Hein? C'est le fait d'avoir touché Noyau qui vous inquiète? Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Toucher Noyau, ni si peu de temps ne devrait pas. Ce n'est pas ça, je ne m'inquiète pas pour moi, je m'en fais pour Lloyd. Il récupère les noyaux de Saturne, n'est-ce pas? Cela pourrait vouloir dire. Colette, nous sommes sur la piste de Lloyd. Nous ne savons pas où se trouvent les noyaux de Centurion, mais nous cherchons Lloyd. Il nous mènera sûrement à eux. Allez, viens avec nous. En plus, t'es puissante. Oh, chacun sa route, chacun son chemin. Ok, bon, bah. On va te dire à la prochaine alors, ma petite Colette. Ok, il y a du coca qui colle et au cul. Marta, I've never met anyone as kind and caring. Thank you. Un peu bête aussi. We're friends, right? What a love. Curse to shout. Not that I disagree. Do you think it would be okay if I went with? Of course. Sure. Allez voir le maire. Bien, 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 bien. D'abord, est-ce qu'on va se soigner? Ouais, bah oui, on va se soigner. C'est trop cher, moi. Une place pour une nuit, s'il vous plaît, madame. Centurion. So Tenebi, you're a centurion, right? What exactly makes a centurion anyway? Allow me to explain. We centurions, numbering 8 in total, are the faithful servants of Lord Ratatosk, the Lord of all monsters. We each belong to a particular element, and with the aid of the monsters under our control, we monitor the levels of mana in the world. You might call us the guardians of the world's mana. That sounds sort of like the Symphonian Eight. Hey! I remember that. That's the story of the 8 warriors blessed by the spirits, who fought against the sinister Dark Five, right? That's right. And the Dark Five's leader turned out to be the long-lost father of Symphonia Red. I used to love that story when I was young. So that would make Tenebi Symphonia Black. What? You mean that story was based on the Centurions? Tenebrae, that's so cool! Does anyone else notice how the conversation gets waylaid as soon as Colette joins? Or is it just me? Bon! Nous irons voir le maire pour le prochain épisode, donc j'espère que tu auras apprécié celui-ci. Et je te donne rendez-vous pour l'épisode 7 de Tale of Symphonia, Dawn of the New World. Allez, salut et à la prochaine. Porte-toi bien.